Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Resident Evil 4 Remake, chapitre 15, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Putain, c'est bien gardé là-bas. Ça doit être leur sanctuaire. Ashley! Chose intéressante avant. Tu fais des réserves au cas où. C'est une sage décision, ça. J'essaie d'y faire attention, d'accord. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Il y a certaines choses que l'argent n'achète pas. Est-ce que ce sera tout? Une affaire bien faite, bonne route. Pour l'instant, on a assez de matériel. Niveau là, niveau vie, par exemple, on est un petit peu bas. Let's go.
Yeah.
Thank you.
l'anneau. Cette saloperie.
Ouais. Putain, je peux pas croire.
Yes, sir, Fox. Va se faire détruire en miettes, je vois ça venir. Cadeau. Pareil comme moi. Je m'en vais à l'urgence tantôt. J'attends qu'il fait plus fort. Qu'il y a moins de monde. Puis... mal de gorge. Je m'en vais en voyage en une semaine. Puis je dois pas filer mal de même. Là.
pas bon. Pas arriver là-bas puis tomber malade comme un... Qu'est-ce que t'as, toi? C'est boire, hein? Est-ce des fumeurs chez vous, Damaz? Moi, quand j'étais jeune, j'avais souvent des infections parce que ma mère fumait à la maison. Aussi, quand on m'a enlevé les amygdales, je pense, ça a arrêté. J'étais jeune quand on m'a enlevé ça. Les os de nos frères reposent dans toutes les terres, des sangs de nos frères et dans notre nourriture. Nous mourons seulement pour renaître. Nous vivons pour l'éternité, notre règne absolu. Ça se peut. Ouais, c'était pas exposé. On m'avait enlevé les amygdales, mais on enlève prisément plus ça, c'est-à-dire. On avait enlevé les amygdales, ça va arrêter les mal d'oreille, mais... Je sais pas si ça avait nécessairement un lien... Mais j'étais jeune quand on m'a enlevé les amygdales. Mais... Mon père dit que quand on m'a enlevé les amygdales, ça a arrêté. On est rendu au chapitre 15. Il y a 16 chapitres en tout. Et aujourd'hui, on va finir le... Oh non! Sac à dos là. Non, calice. Non! Pourquoi tu tires tout à côté? Pourquoi t'es nul de même? Non! Fuck, t'étais pourri là-dessus, d'habitude t'es meilleur que ça.
garantie, je vais faire attention à toucher les autres, c'est ça. Ouais, c'est fou, ça, ça fait mal. Ok, là, t'arrêtes de toucher les sacs. Les réparations sont déroulées comme prévu. L'installation ayant précédemment servi au confinement, quelques travaux mineurs ont suffi à renforcer l'étanchéité. Et à moins d'un problème lors du test du système de refroidissement, nous prévoyons de faire venir ici tous les spécimens restants du bâtiment 1. Tous les spécimens ont été transférés, cependant nous avons rencontré des légers soucis lors du transport. L'un d'eux s'est montré violent. Heureusement, il y a fait moins de victimes que prévu. Faites preuve d'une extrême prudence avec ces spécimens. Les derniers rapports indiquent qu'ils commencent à acquérir une tolérance aux températures, aux basses températures. Il y a quelque chose ici. Il est là. Il y aura une affaire bleue pas loin, ça. Pour googler, c'est possible de faire quelque chose pour ça. Ah putain. Pourquoi il est supposé? Il est supposé être ici, puis je le vois pas. Fait. Coup de fusil sur une ampoule, il se passe à rien. Il est supposé être là. Est-ce qu'il est supposé être un étage en dessous? Peut-être en arrière de ça. Ouais, pas de l'air là. Je suis pris là. Ah, qui mange la merde. Oh! Je pensais que c'était là. J'avais cru voir de quoi bleu, mais non, c'est pas ça.
cherche un petit signe bleu comme ça. Puis ben, il est... Je sais pas, il est où. Il est peut-être un étage en dessous ou au-dessus, mais... Je pense pas. D'après moi, il est là, mais je le vois juste zéro en tout. Des fois, ils sont durs à voir, mais là... Ah, le sac là-bas, faut pas le toucher. Oh, il y a une autre affaire là. Bon, je sais, mais décolle. Je l'ai eu. Être utile. T'as dit d'être méticuleux, juste reviens quand tu veux, surtout. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Trésor ou pas, je suis prêt à payer un bon prix pour ça. C'est un plaisir de faire ça. Elle va pas te faire tuer, hein? Ah!
te mute. Salut, étranger. Ça va, ouais. J'y suis presque. J'arrive, Ashley. D'accord, bien bas, vous jumelles. Ha ha.
Non. Ça n'a rien fait. Elle va pas tenir. Et
Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je sais pas ce que t'en opinion là-dessus, mais tous ceux-là qui sont encore les drag queens, je trouve ça bizarre. Là. Ouf. Un monsieur qui raconte des histoires, puis tout le monde devient fou pour ça. De la qualité, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est du bon travail. Reviens quand tu veux, surtout. Oh là, je suis resté à côté de même.
Voyons, c'est quoi ces mauvais tirs là? Ah, ce petit garçon, qu'est-ce que j'ai pour me remplir? Il n'y a plus rien quasiment. J'en ai perdu. Ah, non, là. Donc, j'allais faire mon jacket. C'est-t-il. Qu'est-ce que je vois pas là? C'est peut-être ça, on peut peut-être aller tout droit. Effectivement.
Ashley. Te voilà, mon enfant. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux simplement partager ce don avec le plus grand nombre. Un humble désir, n'est-ce pas ? Vois-tu, nous sommes tous liés par le corps sacré. Maintenant, ta chair, tes os, toutes tes pensées font partie intégrante de nous. Va chier. Oh. Oh. Pourquoi rejeter la sérénité alors qu'il te suffit d'accepter ce don sacré comme elle l'a fait. Sadler. Ah oui, l'heure est venue pour cet agneau de s'unir à nous. Oh, qu'il soit béni, reçoive la douce miséricorde. Exultons, et qu'il en soit. Ada. Léo, va-t'en. Laboratoire B. Ça devrait être par là. Tiens, je te viens.
va barrer la porte au moins. Ça va aller. Non, c'était tout pour ce soir. Pour Resident Evil 4 Remake, chapitre 15. Live sur la chaîne du Caribou. Canadien, oh yeah!